Je m'appelle Fatma Kone. Je suis avec le prophète. Ça fait une grâce à mon fils Amando. Pour le bien qu'il a rendu aux enfants dans ce quartier Dialogue 2 là, on ne peut pas dire. Il m'a fait prendre 100 enfants. 100. Je dis bien 100. École couranique 50. Franco 50. Il les a tous donné des fournitures. Tous des sacs. À la rentrée, en donnant les fournitures, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les sacs de riz là. 5 kilos, 5 kilos là. C'est ce que les enfants tenaient pour aller à l'école. Le jour où il est venu donner les fournitures là, il les a tous arrachés les sacs borola. Il les a tous arrachés les sacs de riz là. Il a remplacé par les vrais sacs. Donc ce monsieur, un monsieur comme ça là, on doit le remercier. Son remerciement, ça ne devrait pas être méchant. Il ne faut pas que les hommes vont devenir méchants envers lui. Et après les fournitures, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a invités. Le repas, tous les 100 enfants, il a payé leur véhicule dans les papiers. Au Vatican. On est allé au Vatican, les enfants vont manger à leur faim. Ils ont bu de l'eau à leur faim. Il a repayé encore le transport. Chacun, je suis venu avec enfants de tout le monde. Il y a même des dames qui sont parties avec moi. Elles sont là, elles ne sont pas encore mortes. Et après ça encore, il m'a dit de recruter 50 enfants. J'ai recruté 50 enfants. Il n'y a pas fait de musulmans, il n'y a pas fait de chrétiens dedans. Tous les 50 là que j'ai recruté, je peux dire enfants chrétiens même qui est dedans, peut-être 4 ou 5. Tout le reste est musulman. Tous les enfants ont reçu chaussures qu'ils veulent. C'est leur même choix. Grâce à qui? C'est grâce au prophète. Donc un homme comme ça là, on doit le remercier. Moi-même surtout, je le remercie pour ce qu'il fait pour les enfants dans le quartier Dialogue 2. À cause de lui aujourd'hui là, tous les enfants me connaissent. Ils me connaissaient d'habitude, mais il y a eu encore plus pour dire même merci. Merci à cause de qui? À cause d'Amando, à cause de Dieu, mais à cause des prophètes. Et sans lui, peut-être qu'il y a des parents même qui n'allaient pas avoir même l'argent pour payer chaussures pour les donner à la fête de Ramadan là. Vraiment, c'est un homme à remercier. Moi, je le remercie et puis je le bénis. Que Dieu lui donne une longue vie. Tous ses ennemis, la fois, ils vont mourir. Hein. Ils n'ont qu'à être là. Mais chacun n'a pas avoir problème pour oublier le prophète. Parce que si tes ennemis sont morts là, tout ce que tu vas faire, ils vont rien voir dedans. Ils n'ont qu'à être là, en bonne santé. Mais ils n'ont pas avoir problème et puis ils vont oublier le prophète. Pour ce qu'il est en train de faire aux enfants là. Qui va doubler 3 fois, 4 fois pour pouvoir faire aux enfants. Bientôt, c'est la rentrée. Il se prépare encore pour venir donner les fournitures et les sacs encore aux enfants. Est-ce que ce sont ses enfants? Il n'est pas obligé. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes. Pourquoi il ne faut pas ses cadeaux aux enfants? Lui là, c'est Dieu qui l'a mis sur ce chemin. Donc pour cela là, ce qu'il est en train de faire là, rien ne peut empêcher à ça. Ça serait continuel jusqu'à sa vie éternelle. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Vraiment, Allah quand je serai là, Allah très heureux d'yama. Ah bon, c'est dans les boussements, c'est dans les co prophètes. Prophète ni ala mogolo noko ala mogo mogom behine ole ala mogo yi ala rekuti ko mogom behine kale ka sram foni mogom bota ke ala mogo le e kana ti la mogo ke tiana ala mogo le ana ya busman na ala mogo ya abe heram aka heram ke demsen we ala kerem pele kalo aka ne wore ko ne demsen kemeta demsen keme karanga demo bulon le corps de mon pilote. Mais l'homme n'avait d'instant où il y a Kaino, il y a Saki de Makal, Krangadonye, parce qu'il y a un durant le Krangadon Djati. Boussombe le corps de Djati Nyama. Car Saki Nyama s'encadé à Dema avec l'école là. En nous d'un Yadon Djati. Maka Krangadonye ni Boros, Maro Boro, Kilo Lolo ni Saki, ou y'a Krangé, papier bas, flabrou, sebe bas corno, aka Dimi, aka Saki le Sakadi d'instant. Le corps saki a collé le sakani demsen ma ka banka kae la ka ala fana ka ke demsen tien ka kae ni saki de ma nyina sana o beko ya moyen soro a karanga de ko mal ko de beko ya moyen soro don o tigila mo ko ke i te se ka fois fana fala ni che a ka mi ke na ka tayrom na ala fana ka mo mo nya bla ma nya ma ka tayrom na kana dianu ya do ma ke ala shama bla nona ala kenya diama
Ante foi si fa prophète na foni foni te. Ani che ala abradi. Ala Canada ma. Abe do avion kono katra. Ala kuma bo. Abe do avion kono kana. Ala kuma bo. Ala sababu ma jama. Ala ni mo ni ma ben. Bo mo ka be do aju ala. Ala ti la mo halaki. Ala ba ti la mo ka. Ne kon be mi fo. Ka ba quand vous avez un problème, vous avez un transport sera aller-retour entre le Fado Mnina, le Jidoma, le Banque en Lablana. Vous avez un problème, vous avez un problème. 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 Vous nous sommes autres, Sambra Benakawa, Amérique Katakadouma. Tiens, tiens, Sambra Nana, Demsen Mobilo, Bekasro, Amuso de Komaché, Bekasro. Voici ma tocophe. Beka Sambra Nusroka, Ben Selma, Kabamson, nous faisons nous sondia. Obera Sambra Sanya Makado, à deux mon malo. Bébé, c'est la sœur, mais d'autres sœurs. Alors, ma sœur, dia Bella. Mais alaka, alaka, alleni, alana, les sababula, Demsen Bek la fière boratoye. Samara Borula. Donc, au tigre à moi, à la libassa. Amala d'Armina, à la chine canadienne. A Kamike Samore, à la Mokeme, y'en est fait. A Bosoro. Demsel Mokeme. N'est pas prophète, y'a voné à Cognodi. Mokeme, à la Bessor, 100 personnes. À la Bessor, belle Samara Soro. Donc, mes prophètes faux. Chine canéala, Kasababu Madiama. À la canatairola pronto. Eh. On remercie. Le prophète Joël Carasso, pour ce qu'il a fait, le don de fourniture qu'il a donné aux enfants. Vraiment, tous les enfants, les 100 enfants, école coranique, comme français, eux tous ont été admis dans les classes. Vraiment, ça c'est je ne sais pas comment dire ça, c'est le devoir de Dieu. C'est grâce à lui, les enfants, les fournitures qu'ils ont reçues, vraiment, c'est avec bon cœur. Avec le bon cœur qu'il leur a donné, et c'est avec ce bon cœur-là. Les enfants aussi ont fait de leur mieux. Chacun est parti de sa classe. Chacun a eu sa moyenne. Mohamed même, il a été troisième. Après ce qu'il m'a fait, il a été troisième, sixième pour aller en cinquième. C'est mon petit-fils. Il a été troisième pour aller en cinquième. C'est mon petit-fils. Donc vraiment, je remercie Dieu, je remercie le prophète pour ce qu'il a fait. Sans compter les enfants même qui prenaient, qui a pris, il a pris les charges. Et ces enfants-là, il a pris les charges comme ça, hein, jusqu'à la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle, il va s'occuper de leur fourniture. Ah, vraiment, ça nous va droit au cœur. Donc moi, je sais que l'année prochaine, là, pour Mohamed, là, je n'ai même pas de problème. La rentrée nette, là, je mets derrière le prophète Carasso. C'est Carasso, là, ah, vraiment, que Dieu le remercie. Dieu va le payer. C'est Dieu qui va le payer. Alors qu'on a salami djoumaï, faut pas Dieu va les payer avec mauvais, avec bon. Doubler, 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 tripler même pour lui donner. Vraiment, on le remercie. Je suis Madame Zou, j'habite le quartier Dialogue 2. Je suis la sœur à Koné Fatima. Dès que Amandou est venue nous parler du prophète Carasso, elle a pris la chose en main. On lui a dit de recruter des enfants, chose qu'elle a faite. Moi-même, ma fille a bénéficié des dons offerts par le prophète Carasso. Ce qui m'a marqué en tant qu'enseignante, c'est les dons de fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, parce que les parents n'ont pas tout le temps les moyens de... Ils peuvent scolariser, ils ont envie de scolariser, mais ils n'ont pas les moyens tout le temps de payer les fournitures. Même s'il y a les fournitures, il n'y a pas de sac. Les enfants ont tendance à mettre les fournitures dans les sacs de riz de 5 kilos. Et donc, le prophète, par la grâce de Dieu, nous est apparu, comme on le dit, tous les enfants, pratiquement 100 enfants du quartier ont eu des sacs. Ils sont allés à l'école et par la grâce de Dieu, les enfants ont eu
tous la moyenne, sont passés en classe supérieure. C'est ce genre de personnes-là que nous voulons dans le milieu éducatif. L'État ne peut pas tout faire, mais les hommes de bonne volonté peuvent venir en aide à l'État. Tout ça, c'est bien. Quand tu fais ton nom sort, prophète Crasso, aujourd'hui, les enfants du dialogue ne pourront pas l'oublier. Les mères ne pourront pas l'oublier, les pères ne pourront pas l'oublier. Il a fait des dons, des chaussures. À l'approche des fêtes, il y en a, l'argent de chaussures est passé à autre chose. On ne peut que lui dire merci. Et pour la fête des mères, nous les mères, nous avons reçu du sel, des cubes magiques pour mettre dans nos sauces. Tout ça, c'est quelque chose. Si les hommes de bonne volonté pouvaient être aussi nombreux, je pense que la société allait évoluer, la pauvreté allait diminuer. Parce que si un père reçoit des fournitures scolaires pour son enfant, l'argent qu'il avait prévu pour ça, il peut passer à autre chose avec. Aujourd'hui, nous lui disons merci. Nous rendons grâce à Dieu et nous prions Dieu aussi pour qu'il étale sa grâce sur le prophète Crasso. Vraiment, nous lui disons merci et on l'attend pour les années à venir. Merci.